Tembo, l'une des villes du Nord Kivu, à l'est du Congo Kinshasa, qui est sous menace des méga érosions. Les ambassadeurs de la paix et environnement cherchent les solutions pour stopper ces dangers. Notre école va distribuer plus ou moins un arbre par chaque parcelle, c'est ce qu'annonce Léo Moussoubao. Les arbres que nous distribuons, c'est dans la lutte contre les changements climatiques. Des soucis pour venir prendre les plantilles des arbres. Donne gratuitement, seulement il faut être habitant du quartier. Quartier Biondi. En tout cas, c'est très bien. En tout cas, nous sommes contents, très contents. Alors, comme notre quartier, parfois il y a des éboulements, des terres, des ravins. On est très contents parce qu'on va trouver là où on peut planter ces arbres en question. Par parcelle, c'est un arbre. Léo Moussoubao, qui est le communicateur de l'école des ambassadeurs de la paix et environnement, indique que cette première phase est destinée spécialement aux habitants du quartier Biondi où l'on observe des menaces environnementales. Cependant, de grandes érosions commencent à se diriger vers l'abattoir public de la ville commerciale de Butembo au Nord Kivu. Ces germoires des Biondi ainsi que d'autres qui se trouvent dans des sites de relin leur permettront de bien achever avec succès cette première phase de distribution d'arbres dans cette partie de la ville commerciale de Butembo. Au niveau des germoires, au niveau de la pépinière et de l'étave, nous sommes d'abord des ambassadeurs promoteurs de la paix et de l'environnement. Nous distribuons les arbres, c'est dans nos objectifs. Nous, EIAP, École d'initiation des ambassadeurs promoteurs de la paix et de l'environnement. Alors, nous sommes ici dans le cadre du deuxième objectif qui est la promotion de l'environnement. Donc, ici, nous sommes au niveau du germoir. Nous avons planté les arbres eucalyptus blancs que nous voulons alors distribuer à la population bipolaise. Donc, nous sommes ici dans le cadre de la distribution des plantes eucalyptus blancs afin que la population bibolaise puisse à bénéficier. Nous voudrions que nous puissions vraiment l'améliorer. Et nous allons améliorer l'environnement comment? C'est dans le cadre de la plantation d'abord des arbres. Vous savez que l'arbre est très nécessaire. Oui, oui, oui. Même dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous voulons que chaque ménage puisse avoir au moins un arbre. C'est dans ce cadre que nous sommes ici pour la distribution des arbres dans les quartiers centres commerciaux et dans les quartiers Biondi, à Ville de Butembo.